donc un pôle de sport duel avec quatre salles de sport duel, donc boxe, lutte, sport de combat et escrime. Puis un pôle acrobatique avec une salle de cirque, une salle de gym et une salle de GR, et plus une salle de baby gym. Le troisième pôle, c'est un pôle sport collectif où on peut pratiquer le basket, le hand, le badminton, le volleyball, tous les sports de salle. Et enfin, le dernier pôle, c'est le pôle haltérofitness, donc ce sont les métiers de la forme, pour se tenir en forme, le sport santé, équipé d'une salle de cardio training, une salle d'haltérophilie, une salle de musculation et une salle de fitness. Le vœu du projet, c'était aussi ouvrir les activités au plus grand nombre de pratiquants, et notamment aux pratiquants en accès libre. Donc nous avons mis en place des modules de fitness, de workout. Nous avons équipé aussi le site de deux terrains de futsal, donc ce sont des terrains de sport, ainsi qu'un parcours sportif. Aujourd'hui, c'est l'apothéose de plusieurs années, plus de 3 ans de discussions et de réflexions et aussi de travail pour arriver à aujourd'hui ce magnifique palais des sports. C'est la construction avec bien entendu les gens qui fabriquent et aussi les associations. C'était ça l'important, c'était écouter les associations pour répondre à leurs besoins. Toutes les associations que nous avons rencontrées nous ont remerciés. Quand je dis nous, c'est tous ceux qui ont contribué à cette belle réalisation. Je commencerai par d'abord les services techniques qui ont porté le projet de dialogue compétitif pour trouver le bon candidat. Je remercie évidemment le candidat qui a été retenu, Bourdarios Vinci, qui a réalisé en un tour de maître et en à peine 20 mois, ce qui est quand même un exploit, cette réalisation avec cette contrainte que les associations devaient continuer leur activité, mais aussi l'environnement, les parcs et jardins, et puis on ne va pas oublier les finances, les marchés publics. C'est un gros travail d'équipe, et car au fond le sport c'est avant tout un travail collectif, et bien on a eu la démonstration aujourd'hui. Merci vraiment du fond du cœur, je suis extrêmement heureuse de cette réalisation et en même temps très fière. Merci beaucoup.